Or, que le roi qui s'en va en France, fit-il, prenne bien garde à faire bonne et prompte justice à son peuple, afin que notre Seigneur lui permette de tenir son royaume en paix tout le cours de sa vie. Le roi n'oublia pas cet enseignement, mais gouverna sa terre bien et loyalement et selon Dieu, ainsi que vous l'entendrez ci-après. Il avait sa besogne réglée en telle manière que Monseigneur de Nesle et le bon comte de Soissons, et nous autres qui étions autour de lui, qui avions ouï nos messes, allions ouïr les plaies de la porte, qu'on appelle maintenant les requêtes. Et, quand il revenait de l'église, il nous envoyait quérir et s'asseyait au pied de son lit, et nous faisait tous asseoir autour de lui, et demander s'il n'y en avait aucun à expédier qu'on ne pût expédier sans lui. Et nous les lui nommions, et il ordonnait de les envoyer quérir. Et il leur demandait, « Pourquoi ne prenez-vous pas ce que nos gens vous offrent ?» Et il disait, « Sire, c'est qu'ils nous offrent peu. » Et il leur disait ainsi, « Vous voudriez bien prendre ce que l'on vous voudrait offrir. » Et le saint homme s'efforçait ainsi, de tout son pouvoir, de les mettre en voie droite et raisonnable. Maintes fois, il advint qu'en été, il allait s'asseoir au bois de Vincennes après sa messe. Il s'accotait à un chêne et nous faisait asseoir autour de lui. Et tous ceux qui avaient affaire venaient lui parler sans empêchement d'huissier ni d'autres gens. Et alors il leur demandait de sa propre bouche, « Est-il ici quelqu'un qui ait sa partie ?» Et ceux qui avaient leur partie se levaient, et alors il disait, « Taisez-vous tous, et on vous expédiera l'un après l'autre. » Et alors il appelait Monseigneur Pierre de Fontaine et Monseigneur Geoffroy de Villette, et disait à l'un d'eux, « Expédiez-moi cette partie. » Et quand il voyait quelque chose à amender dans les paroles de ceux qui parlaient pour lui, ou de ceux qui parlaient pour autrui, lui-même l'amendait de sa bouche. Je vis quelquefois en été que, pour expédier ces gens, il venait dans le jardin de Paris, et il faisait étendre des tapis pour nous asseoir autour de lui. Et tout le peuple qui avait affaire devant lui se tenait autour de lui debout. Et alors il les faisait expédier de la manière que je vous ai dite avant par le bois de Vincennes. Si vous aussi vous avez apprécié cette vidéo et si vous pensez comme Napoléon, l'histoire est un mensonge que personne ne conteste. Je vous invite à laisser votre avis, liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et pourquoi pas partager cette vidéo. Merci.